Hello, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour un nouveau vlog. On est lundi 14, il est midi. Je suis rentrée du travail assez tôt aujourd'hui. Et je viens de finir de manger. Et là, en fait, j'ai rendez-vous à 14h pour changer mes ongles. J'ai trop trop hâte. Je vais vous emmener avec moi, c'est la première fois. Je voulais le faire sur TikTok. Et puis, je me suis dit que comme cette semaine, j'ai pas énormément de choses à vous montrer, j'allais plutôt vous emmener avec moi sur YouTube. Donc, pour vous montrer un peu mes ongles avant, je les aimais bien. Avec le petit pouce là. J'aimais bien. Mais pas autant que ce que je pensais. C'est pas mes ongles préf. Mais après, ils sont magnifiques. Hein. Elle fait tout. Et là, ce que je vais faire là, ils vont être pépites. Si vraiment elle a la couleur que je veux, le vert à paillettes que je veux, il est splendide. Sinon, je me rabattrai sur un autre vert que j'ai déjà repéré le mois dernier, quand j'y suis allée. Et voilà. Du coup, là, il faut absolument que je me presse un peu parce qu'avant de partir, j'aimerais vraiment beaucoup commencer à préparer le repas de ce soir. J'ai envie de, ça fait, j'adore ça. Juliette adore ça, mais Kevin non. J'ai envie de poulet au citron. J'ai vu une recette sur TikTok. C'est pas compliqué du tout. Donc, je vais essayer de nous faire ça. Et Kevin, je lui mettrai à part et il fera une sauce avec de la crème à part, mais pas de poulet au citron. Il aime pas ça. Comme ça, ce soir, en fait, j'aimerais bien cuire le poulet, faire la sauce. Et comme ça, ce soir, j'ai juste le riz à cuire et on n'en parle plus. Et accessoirement, il faudrait que je fasse le menu pour cette semaine afin d'aller chercher le drive. Mais je vous avoue que, vous savez, je fais maintenant les menus à la semaine. Et je vais chercher mon drive à la semaine. Je trouve que je dépense beaucoup mieux mon argent comme ça, que je gère beaucoup mieux mon temps, les repas et tout. Mais là, j'aime bien faire une petite semaine. Pas qu'on finit les restes, enfin, c'est pas des restes, mais où on va vider un peu ce qu'il y a dans le congélateur, des repas simples. Ben là, cette semaine, je crois que ça va être ça. Là, comme je vous dis aujourd'hui, ça va être poulet au citron avec du riz, c'est assez simple. Je crois que je vais nous faire des pâtes au saumon demain. Je vais peut-être nous faire des œufs cocottes ou une omelette. Voilà, des choses relativement simples. J'ai pas envie de faire de grande cuisine aujourd'hui, enfin, cette semaine, je vais pas avoir trop trop le temps. Donc voilà. Voilà. Et sinon, bah écoutez, je ne vous ai pas repris du week-end parce qu'il s'est rien passé de ouf. Kevin a eu son premier week-end, enfin week-end, son premier jour de repos depuis un mois, donc il s'est reposé. Je vous avoue, il faisait assez beau. Je voulais qu'on aille se balader en forêt, mais c'est pas grave, on ira une prochaine fois. Parce que bon, j'ai pas envie d'aller en forêt toute seule avec Juju. On va pas aller chercher le danger où il n'y a pas besoin. Voilà, même si il n'y a sûrement aucun danger, mais voilà, je préfère pas prendre le risque. Et puis, du coup, bon, on est resté à la maison, on a joué, etc. On a été invité le vendredi soir, le samedi soir. Donc, c'était assez fatigant. Je sais pas, d'habitude, Juliette, quand on est invité, qu'elle se couche tard, elle dort super, super bien. Là, me demandez pas pourquoi, elle s'est réveillée hyper tôt. Le vendredi, je lui avais dit, en fait, le samedi matin, on a emmené Miu Miu au vétérinaire juste pour renouveler les vaccins annuels, quoi. Et je lui avais dit, tu viendras avec maman. Elle était tellement excitée. Elle s'est réveillée à 8h en criant, on est en retard, faut emmener Miu Miu. Ah, je lui ai dit, non, on a rendez-vous qu'à 10h, t'as le temps de dormir. Bon, admettons, c'est pas grave. Et puis le dimanche, pareil, on s'est couché à minuit. Je me suis dit, le dimanche, on peut au moins dormir jusqu'à 9h et tout. Ah non, à 8h, encore une fois, elle était réveillée. Donc en soi, 8h, c'est pas trop tôt. Il y en a qui vont attraper ma veste parce qu'ils se lèvent tous les jours avec leurs enfants à 6h ou voilà, très tôt. Mais sachez que pour moi, 8h, c'est tôt. Je me lève tous les jours très très tôt pour aller travailler. Donc le week-end, j'aime bien pouvoir dormir un peu plus, quoi. Mais bon, écoutez, c'est pas grave. On dormira le week-end prochain en espérant, quoi. Après, ça va être les vacances, donc elle va pouvoir se lever un petit peu plus tard, j'espère pour elle. Parce que tout le monde dit c'est bientôt les vacances. Mais sachez que pour Juliette, vacances ou pas, elle se lève à la même heure que quand il y a de l'école. Parce que bah, on travaille, et donc elle va se faire garder chez sa mamie pour l'instant. Et peut-être que l'année prochaine. Enfin, l'année prochaine. Pour l'instant, jusqu'en décembre, elle est gardée chez sa mamie. Mais sûrement qu'en janvier, ça va changer et que ou elle ira au centre aéré le matin et je vais la chercher à midi, ou il faut qu'on trouve une autre nounou en périscolaire. Voilà. On se laisse le temps d'y réfléchir. On a encore 2 mois pour y penser, mais il va falloir quand même y penser. Bon, dans tous les cas, j'ai quand même la solution du centre aéré, bien qu'il faut que je sache pour pouvoir l'inscrire. Si besoin, avant qu'il n'y ait plus de place pour les vacances, là, les prochaines vacances, ce sera février où on aura besoin. Donc voilà, allez, je vais débarrasser ce que j'ai mangé là à midi, c'était trop bon, vous avez vu, je crois, vite fait. C'était de la purée qui me restait avec, j'ai fait ce week-end de la rougaille de saucisse, c'était trop bon, on a fait ça avec des frites, mais en général ça se fait avec du riz, mais moi la première fois que j'ai goûté,
On a mangé ça avec des frites et c'était trop bon. Franchement, sans me vanter, je l'ai bien réussi. Et avec les frites, j'ai adoré. Bon, Juliette n'en a pas mangé, on lui avait fait autre chose. Mais j'ai adoré. Du coup, il me restait un petit peu de la rougaille et de saucisse, mais pas de frites. Ben, j'avais de la purée. J'ai mélangé à la purée, c'était un pur délice. Je pense que la prochaine fois, je ferai ça à Kevin. Bien que je crois qu'il aime pas trop mettre de la sauce dans la purée, moi j'adore ça. Bon, le repas est prêt. Je sais pas vous, mais moi ça me donne déjà l'eau à la bouche. C'est trop beau. Pardon, mais Aurélie Netchebes est dans la place. C'est trop beau. Alors c'est beau. Est-ce que ça va être bon? Je vous redirai. Par contre, je crois que j'ai merdé en mettant du persil parce que Juju, si elle voit du vert, elle mange pas. Elle fait un blocage avec le vert. Alors par contre, vous voyez, j'ai Mioum Mioum qui est dehors. Il faut que je fasse mes carreaux, c'est la priorité. Elle ne veut pas rentrer. Du coup, elle va rester dehors parce que j'ai tenté d'ouvrir et de la faire rentrer en l'attrapant. Elle m'a craché dessus. Mais je sais que Simba, il va vouloir aller la voir à la fenêtre et il va me piétiner ma casserole. Donc ça me plaît moyen. Donc je crois que je vais la mettre dans le four. Et je vais laisser entrebâiller pour la chaleur. Voilà, je vais laisser comme ça. Ça, c'est propre. J'ai fait toute ma petite vaisselle. J'ai rangé la cuisine. Je vais passer, il est 25, je vais passer un tout petit coup d'aspi. Après, j'ai pas une demi-heure de route, hein, en soi, en 10 minutes j'y suis. Hein. 15 minutes. Non, vous n'allez pas dehors, je m'en vais. Donc, non. Tant pis pour Miu Miu, mais reste dehors. S'il pleut et qu'il y a de l'orage, elle sera mouillée. Toi, t'es vieux, tu restes à l'intérieur. Elle est jeune, elle. Elle est jeune et dodue. Elle est jeune et dodue. Elle peut rester dehors, ça lui tiendra chaud, le gras. Mais toi, mon vieux pépère. T'es tout vieux, t'as que la peau sur les os, quoi. Oh, mais oui, mon chat. Hein? Mais oui, maintenant tu vas pas dehors. Non, 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 c'est trop dangereux. Quand je rentre. Ok? Donc oui, je vous disais qu'en soi, j'ai que 15 minutes de route, mais j'aime bien trouver de la place, être à l'heure. J'adore être à l'heure. Et bien souvent, quand j'arrive avant, on m'envoie un petit texto, elle me dit, si t'es là, tu peux venir, genre 10-15 minutes avant. Et c'est toujours 10-15 minutes de gratter parce que en ayant rendez-vous à 14h, elle met 2h en général à faire mes ongles, bah, je sors pile poil à 4h. Donc 4h, le temps de rentrer, trouver de la place à l'école à Juju, c'est pile poil short. Et voilà, encore une fois, surtout pour aller chercher Juliette, j'aime bien être à l'heure, etc. Donc si je peux y aller un peu avant, c'est toujours bien, sachant que ce que je veux faire, je pense que 1h30 ça peut suffire. J'ai trop hâte de vous montrer. Je passe un petit coup d'aspi parce que la maison est dans un état lamentable et puis je vous retrouve chez Stéphanie. Je suis rentrée d'avoir fait mes ongles. Je vais vous les montrer. Je vais me mettre au jour quand même. Ils sont incroyables. C'est trop, trop beau. Et en fait, on verra pas. En fait, ah, on voit rien. Faut que je me mette au jour. En fait, c'est un vernis chrome. Vous voyez, un coup. Là, vous le voyez violet avec des reflets bleus. Des fois, il va être vert. Enfin, il est trop beau. Sur le pouce, on a une petite lune avec des étoiles. Et je voulais un petit serpent. C'est trop beau. Franchement, il rend vraiment pas justice en caméra. Mais moi, je préfère, c'est quand il est vert. Mais on voit pas trop le vert. Non. Bref, du coup, là, je vais chercher Juju. Je vais mettre mon manteau quand même. Je vais aller chercher Juju. Je me suis un peu posée dans le canapé. En fait, j'aime pas quand je vais faire. Enfin, j'adore faire mes ongles. Mais j'aime pas parce que. Quand je rentre, il est 3h30. Et du coup, il faut savoir que moi, je pars à 4h pour aller chercher Juju, sinon il n'y a pas de place à l'école, c'est la galère et tout. Alors que pourtant, j'habite vraiment à 3 minutes, hein, franchement. J'ai froid, j'ai froid, j'ai froid. Et du coup, je me suis dit, bah, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je vais attendre devant l'école? Une demi-heure à poireauter, enfin, 1 heure quasiment à poireauter, non. Est-ce que je rentre ici, me poser un peu, mais j'aime pas parce que je me pose pas assez longtemps, je peux rien entamer et du coup ben, je comate sur le canapé, j'aime pas ça. Est-ce que je vais faire les courses? J'aurais dû aller faire les courses. J'aurais dû aller faire 2-3 courses à Lidl comme je voulais. C'est pas grave, je me suis posée dans le canapé et du coup j'étais fatiguée, enfin, je suis fatiguée. Et j'aime pas parce que alors je piquais pas du nez, mais vous voyez là du coup je suis claquée, je sens que j'ai mes yeux lourds et tout. J'aime pas être dans cet état-là. Mais je vais la chercher, je vais manger un bout après parce que j'ai faim et ça ira très bien. J'ai retrouvé ma Juliette, ça va mon amour? Est-ce que tu chantes la chanson que tu m'as chantée sur Halloween? Halloween, c'est super. En fait, une fois, et on peut le dire deux fois. Ouais. Ah,
je recommence parce que je ne sais plus. Halloween, c'est super. Les sorcières, donnez-nous des bonbons ou nous transformons en dragons. En dragons. J'adore, c'est trop chouette, hein. Maman, j'ai un truc à te dire. Ah bon. Est-ce que quand je serai grande, tu pourras me la prêter? Ma caméra? Oui, mon amour. Tu vlogueras? Tu feras toi coucou tout le monde? Alors, bah du coup, vas-y, entraîne-toi. Qu'est-ce qu'on va faire là? On va faire une gâteau à la banane et c'est moi qui va couper, mais comme une grande. En fait, moi, je sais couper avec un couteau sans me faire de bibi. Que je suis très grande. Regardez. Hop, 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 hop. Regarde comment on fait. Ouais. Hop, 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 hop. Attention. Oh, bah ça, c'est un gros couteau. Ouais, hein. Maman, c'est pour ouvrir la banane. Il en faut deux. Je te laisse l'éplucher et la couper. Oui. Et je vais t'en donner une autre. Je dois enlever tout. J'ai trouvé ma voix. Oh, tu m'as jeté la peau de banane comme dans Mario. Que dans Mario, il y a une banane. Mais je n'ose manger. Ça, c'est pour le petit déjeuner healthy de maman le matin. Parce que Juliette, elle aime bien les gâteaux à la banane. Et si après, j'ai assez de chocolat, on va faire un fondant au chocolat pour le soir. Mmh. Parce qu'on est des grosses gourmandes, nous. Hein. Ouais, mais papa, non. Hein. Papa, non. Il n'aime pas trop ça. C'est pas grave, ça en fera plus pour nous. Ouais. Non, je ferme pas mes yeux. Écoute-moi. Je vais faire pipi. Tu ne touches pas au chocolat. Tu... Écoute-moi. Non, je ne vais pas toucher au Écoute, chocolat. Écoute, je vais te donner du chocolat, mais tu attends que maman, elle arrive pour le manger. D'accord? Tu n'y touches pas en attendant. Je te fais confiance, t'es une grande. Ok. Tu n'en manges pas, d'accord? Non. Je te fais confiance. La caméra, elle te voit. Hein. Je vais juste faire un carré avec le chocolat pendant que tu fais pipi. Ouais. Et tu en manges pas. Maman t'en donne après. Non, okay? Non, promis. On a mangé? La caméra, elle t'a vu, hein? T'as pris un morceau de là? Fais A. Fais A. Tu en as dans la bouche ou pas? Bon, j'ai fini la recette toute seule parce que, comme toujours avec Juliette, ça finit mal. Faites tout pour lui faire plaisir, ça ne va jamais avec cet enfant. C'est une insatisfaite de la vie. Franchement, ça me contrarie. Je fais tout pour lui faire plaisir et ça finit en chouine. C'est vraiment compliqué, je suis fatiguée, je fais de la pâtisserie pour lui faire plaisir. Je préférais être allongée dans le canapé, ça lui va pas, parce que madame, elle veut un morceau de chocolat, et au lieu de lui donner un entier, je lui donne une moitié. Je lui dis, c'est une moitié ou rien, il est 5h20, c'est bon, faut savoir se contenter, sachant qu'elle en a déjà mangé avant. Non, elle sait pas se contenter. Juliette, arrête, tu vas aller dans ta chambre te calmer, ok? Tu veux continuer la pâtisserie avec maman ou pas? Tu continues ou pas? Prends doudou Tétine, va te calmer. Dans le canapé. Moi, je fais pas de pâtisserie avec un bébé qui pleure. Je fais tout pour lui faire plaisir. Tout. Ça va toujours pas. Arrête. Je n'en ai pas. Moi j'en ai marre, j'en peux plus. Je vous jure que les lundis, c'est souvent compliqué. C'est le retour de week-end, elle est fatiguée, mais...
Je fais tout bien pour cet enfant. Je donne tout, je fais tout. Il n'y a jamais rien qui lui va. Moi, j'en peux plus. De toute façon, depuis qu'elle est en moyenne section, je reconnais pas ma fille. Le fait qu'elle fasse pas de sieste, elle est insupportable quand elle rentre. Un rien la contrarie, là. Elle se met à faire une crise pour un putain de morceau de chocolat. J'essaye votre putain d'éducation bienveillante, hein. Je lui propose plein d'autres choses. J'essaie de jouer avec elle. Je lui fais un câlin. Y a rien qui va. Y a rien qui va. Elle se roule par terre. Elle chouine comme un bébé. Y a même pas de larmes. C'est histoire de me faire chier. J'en ai marre. On passe un bon moment. Je fais de la pâtisserie avec elle. Il faut que ça finisse mal. Je sais plus quoi faire pour lui faire plaisir. Je joue avec elle. Je me mets à quatre pattes dans sa chambre. On joue au bébé. On joue à la Barbie. Rien ne va. Voilà. Je suis fatiguée. J'en ai cassé la tour d'observation sur quoi je suis assise. C'est bon, elle était là, elle se roulait par terre dans la table, dans la chaise d'observation. Je l'ai prise, je lui ai pris le bras, je lui ai dit maintenant tu t'en vas parce que sinon maman va s'énerver vraiment. Je lui ai jamais mis de fessée, je lui ai jamais rien mis, mais vous savez, des fois ça se perd. Il fallait que je me défoule sur quelque chose, du coup j'ai claqué par terre la table. Je l'ai cassé. Vaut mieux que ce soit la tour d'observation que ma fille. Je l'aime plus que tout au monde, mais. Si vous saviez comme c'est le rôle le plus ingrat et le plus dur du monde. Bon, écoutez, on va reprendre ses esprits. Elle est en train de caresser Miu Miu dans son lit. Ça va lui faire du bien, un petit temps calme. Elle a peut-être besoin de ça, mais... Voilà. Je sais que quand je suis fatiguée, je suis à bout de nerfs et tout, mais là, vraiment... Je sais que le lundi, c'est toujours dur. Tous les lundis, c'est la même. Elle est infecte, parce que t'as l'impression qu'elle nous fait payer le fait d'être fatiguée et tout, et je l'ai compris. Je vous jure, je fais tout bien. Mais au bout d'un moment, il arrive où t'essayes tout. Ma patience, croyez-moi, j'ai beaucoup de patience. Ma patience, elle a aussi des limites, quoi. Je suis fatiguée aussi. J'ai travaillé ce matin. J'ai que 5 heures de sommeil dans le nez, là. J'ai travaillé ce matin. Je suis rentrée, j'ai fait à manger. J'ai fait un peu de ménage. Ok, j'ai fait mes ongles pendant 2 heures. J'étais assise, mais il faut rester éveillée et tout. Je rentre. J'ai été la chercher, je goûte. Et la soirée n'est pas finie. Mais là, vous savez quoi, il est 5h20. Je finis ça, là. Tant pis, on fait pas le deuxième gâteau, tant pis. Il n'y en aura qu'un. On fera le deuxième quand elle sera plus en forme, avec elle. Je vais ranger tout. Après, je mets mes muffins à cuire, là. Je vais la laver. Je vais me laver aussi. On va se mettre en pige. Et Kevin, il sait pas s'il va rentrer tard ou pas. Bon, il va pas rentrer non plus à 19h. C'est quoi ça? Il va pas non plus rentrer à 19h, mais quitte à ce qu'on l'attende pas, je m'en fous. On se couche, on mange de bonne heure et j'ai rien de prêt. Madame adore le citron, je fais du poulet au citron. Devinez qui n'aime plus le citron du jour au lendemain. Voilà. Donc je vais faire du riz et ils auront. Je sais rien, je vais leur faire du poulet, du poisson, je m'en fous. Un truc qui me demande pas de préparation. T'abonner, faut juste cliquer, va partager.